thank mm -hmm. you tout je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de printemps. Je suis très heureuse de venir vous montrer ces livres. Euh, des livres qui me donnent très envie, bien évidemment. Euh, j'ai zappé, il me semble, la pile à lire d'hiver. Je ne l'ai pas faite, tout simplement. Je n'ai pas fait de vidéo. Donc, je passe directement de la pile à lire d'automne à la pile à lire de printemps. Et j'en suis bien contente. Je vais vous présenter aujourd'hui 20 romans ainsi que 5 graphiques, il me semble. Je vais faire un petit peu comme ce que j'ai fait pour l'automne. Donc, c'est-à-dire que je vais vous présenter des petites... Catégories selon des envies que je pourrais avoir. Vous allez voir, c'est très simple. Comme vous le savez, j'essaie toujours de suivre mes envies du moment et euh, voilà, mes envies du moment changent très 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 souvent. Donc effectivement, j'essaie d'avoir un choix très très varié dans ces piles à lire pour les nouveaux par ici qui ne savent pas. En général, les piles à lire de saison. Moi, je n'essaie pas de lire tous les livres qui sont dedans. Je viens juste piocher dans ces livres. Pour exemple, j'ai un peu regardé ma pile à lire d'automne. J'ai lu cinq romans. De la pile à lire de l'automne et ça me convient très bien. Alors, première catégorie pour cette pile à lire, j'ai décidé de mettre des livres de littérature asiatique, puisque en plus en ce moment je suis vraiment dans une phase où, où je lis pas mal de livres de littérature asiatique, plutôt des choses cousies. Hein. C'est pas. Euh... Enfin, vous allez voir. Euh, j'ai lu deux romans dernièrement de l'autrice Michiko Aoyama et j'ai envie de continuer à la découvrir et donc. Euh, le dernier livre que j'ai de cette autrice, c'est euh, La Bibliothèque des rêves secrets qui était sortie avant d'ailleurs, dans cette très belle édition. Ici, c'est chez J'ai lu, mais euh, je crois que c'est la même couverture chez Nami en grand format. Donc, on va suivre Sayuri qui travaille dans une bibliothèque. Elle est donc bibliothécaire et elle va proposer à ses visiteurs des livres, des ouvrages inattendus, des livres un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire. Ici, si on nous dit que c'est un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance qu'une personne attentive et attentionnée peut avoir sur le destin d'autrui. Ça a l'air vraiment vraiment Très très doux, et moi j'ai adoré les deux romans Le lundi Parfum Matcha et Le jeudi Saveur Chocolat. Et je sens que j'aurais besoin de nouveau d'avoir des univers de ce type, d'avoir un univers de ce type, de me retrouver dans quelque chose de très très doux. Donc, ouais. Très très hâte. J'ai décidé de me lancer dans euh, la littérature de Ito Ogawa. Je possède maintenant pas mal de livres et euh, je n'ai toujours pas commencé. Et je vous avais dit, je pense, dernièrement que j'allais commencer par ce livre-là, puisque je l'ai reçu euh, pour Noël. C'est La papeterie Tsubaki euh, donc de Ito Ogawa. Et ici, on est avec Atoko, qui a 25 ans et qui hérite de la papeterie euh, de sa grand-mère. Et donc, c'est les premiers pas pour lui en tant qu'écrivain. Euh, qu j'ai l'impression que ça va être de nouveau une histoire poétique et envoûtante comme peuvent le faire les auteurs autrices japonaises. Le prochain roman, en fait, c'est pas une catégorie asiatique, c'est une catégorie japonaise hein, plus exactement. Donc, le prochain roman est un roman de Yukio Mishima. Je n'ai jamais découvert cet auteur et j'ai très, très, très envie de le découvrir. Donc, ici, on est vraiment sur un classique avec Le marin rejeté par la mer, qui est un roman quand même assez connu et que je n'ai toujours pas lu. Donc, ce sera ma première découverte avec cet auteur. Aussi, ici, on nous dit que c'est Noboru qui est un garçon de 13 ans qui va surprendre les amours de sa mère, une jeune veuve avec un officier. C'est très, très Cours hein, comme roman. Je crois que c'est une histoire terrible, hein. honnêtement, on est bien loin de la douceur des deux premiers que je vous ai présentés. Et alors, le dernier que j'ai mis dans cette sélection, c'est de nouveau Retour à la douceur et à la bienveillance avec le restaurant des recettes oubliées de Ishashi Kashiwai. Vous l'aurez constaté, je commence à avoir une petite fascination et un petit amour pour cette maison d'édition, les éditions Nami. Donc euh, voilà, j'ai envie de découvrir ce roman-là. Un roman euh, dans lequel on va découvrir un personnage qui travaille, il me semble, dans un restaurant et qui essaie de proposer aux clients une des recettes oubliées, comme peut le dire le, le titre. Euh, en fait, je l'avais déjà commencé, euh, pour tout dire, euh, cette dernière semaine de cours avant d'être euh, pour ma part en vacances et je n'arrivais pas à accrocher parce que... Non pas parce que le livre était mauvais, hein, loin de là, mais parce que je me rendais compte que ce n'était pas vraiment le moment pour moi de, livre, de lire un livre qui parle de nourriture. Voilà, ce n'était pas le moment et je, je sais qu'il y aura un autre moment. Il y a un tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps pour ce moment. Voilà pour la littérature japonaise. Alors je vous parlais de classiques, alors j'en ai mis un. Si jamais j'ai envie de lire un classique, évidemment j'ai plein de choix hein, chez moi, donc je ne vais pas me limiter à ces romans-là, mais j'ai bien envie, je l'ai mis dans la sélection, de lire Les Trois Sœurs de M. Sinclair, qui est cette autrice un petit peu oubliée qui raconte l'histoire de trois sœurs qui sont filles de pasteurs et c'est un père despotique qui leur impose une vie euh, terrible et les sœurs étouffent euh, sous le poids de la morale puritaine et donc il y a un docteur qui arrive en vie et qui apparaît, hein, qui apparaît un petit peu comme le sauveur de ces dames. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. En tout cas, on nous dit que c'est avec pudeur et mélancolie que May Sinclair décrit le délaissement de jeunes femmes soumises aux joues masculins et dont l'esprit brûle d'envie de rêve. Et alors, c'est un roman qui, nous, qui aborde le désir féminin avec la même acuité que ceux de Thomas Hardy. Euh, sauf qu'ici, on est sur un point de vue euh, féminin hein, pour le coup. Voilà, alors euh, ça c'était donc pour les classiques. D'habitude c'est vrai que j'en mets plus dans les envies de lecture, mais j'ai tellement le choix. Et t... Là je sais pas trop ce que j'ai envie de lire comme classique, donc voilà, si jamais j'ai envie de lire un classique, bah, je choisirais peut-être celui-là. Et alors euh, si j'ai envie de lire un roman historique, eh bien je le ferai. Alors j'ai toujours Petite de Édouard Carré que je dois lire pour le mois de février. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 29 février et je ne l'ai pas encore commencé. Mais euh, je compte commencer dans les jours prochains, donc petite d'Edouard Carré. Et euh, sinon, euh, j'ai envie de lire Bleu de Delft de Simone van der Vlucht, qui est une autrice dont je possède plusieurs de, des livres, mais je n'ai toujours pas lu. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on est au XVIIe siècle, après la mort suspecte de son mari, la jeune Catherine quitte sa campagne néerlandaise pour tenter sa chance à la ville. Elle va donc se rendre à Amsterdam, qui est une ville que j'adore. Et donc elle est engagée comme intendante dans une famille. Et en gros, elle va faire la rencontre de Rembrandt. Donc il y a un petit côté, euh, je ne suis à la perle, mais pour le coup, avec Rembrandt. Alors, euh, dans les romans contemporains, j'en ai mis euh, deux. Enfin, contemporains sans vraiment de genre euh, en soi. J'ai mis un roman que j'ai commencé début février, mais que je n'ai pas euh, continué puisque j'étais en plein dans mon petit mois, petite lecture. Et donc j'étais euh, très très prise par mes lectures, mes petites lectures qui étaient pourtant euh, pour certaines de grandes. Lecture petite en nombre de pages, mais grande en nombre d'émotions. Et du coup, j'avais laissé de côté un petit peu ce roman qui est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, mais que j'ai bien l'intention de continuer et qui conviendra certainement pour le printemps. Un roman d'inspiration gothique qui est sorti en août, il me semble, 2023, qui va raconter l'histoire de différentes sœurs qui vivent dans une maison familiale et qui peu à peu vont mourir l'une après l'autre après s'être mariées. Euh, voilà, j'étais pas hyper loin dans la lecture mais j'appréciais beaucoup. Et alors le roman suivant, je l'ai mis parce que c'est une envie du moment. Je ne sais pas si elle va rester euh, pour le printemps, mais bon je voilà, je me suis dit je vais peut-être le mettre en évidence, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. C'est un jour où euh, le moral n'était pas très bon, je vous l'avoue, et je suis tombée dans ma bibliothèque sur ce titre. J'avais oublié que je l'avais. Et euh, c'était étrange parce que c'était un jour un petit peu triste et euh, je vois ce titre qui est « Et maintenant, il ne faut plus pleurer » de Lynn Ullman. Et du coup, j'ai sorti ce livre, je l'ai mis en évidence sur ma bibliothèque et depuis, euh, que ce soit sa couverture ou son titre, il n'arrête pas de m'appeler. C'est un roman euh, norvégien, donc de Lynn Ullman, dans lequel on rencontre Siri qui emmène tous les ans son mari et ses enfants passer l'été chez sa mère Jenny et euh, Millie les accompagne afin de s'occuper des deux jeunes filles. Donc elle est un petit peu jeune fille au père. Et ces séjours sont toujours très très douloureux pour Siri, qui, qui est hantée par le souvenir de la mort de son petit frère. Depuis, elle cherche en vain le pardon dans le regard fouillant de sa mère. Donc visiblement, peut-être qu'elle est responsable de la mort de son frère. Enfin, responsable, j'imagine qu'il y a eu un accident et qu'elle se sent responsable. Donc c'est une histoire de non-dit qui résonne avec une ampleur assourdissante dans le drame familial où chacun a le regard fixé sur ce qui n'est plus ou n'a jamais été. Une histoire de famille euh, qui a l'air terrible, j'en ai jamais entendu parler, je suis hyper intriguée par ce livre. Il est quand même assez gros pour le coup, je l'avais acheté à la foire du livre en 2019. Voilà. Ça c'est pour les romans, euh, on va dire, contemporains. J'ai mis deux romans VO. En général, j'essaye de lire au moins un roman VO par saison. Pour le printemps, j'en ai mis deux. J'ai mis *The Secret Garden*, qui est le jardin secret, donc hein, que vous connaissez certainement, qui est un, un classique, qui est très très court, que je n'ai jamais lu, en tout cas jamais en anglais. Et donc, c'est une très très belle petite édition. Là, c'est quoi la maison d'édition euh, c'est Wordsworth Editions, ils ont des très, une très très chouette collection dans laquelle il y a pas mal de titres de classiques justement. J'en ai quelques unes et jamais, je ne me suis jamais lancée dedans en fait et ça me tente beaucoup. Il n'y a pas d'illustration, je pensais qu'il y en aurait, c'est écrit quand même assez petit par contre mais euh, voilà, très envie. Sinon euh, dans toutes mes piles à lire, vous voyez ce livre qui est Emily of New Moon. J'ai tellement honte de vous le présenter parce que maintenant il est sorti en français et je l'avais commencé J'étais arrivée je crois à la, une vingtaine de pages, y avait une histoire de euh, une petite jeune fille qui était, euh, je crois qui avait perdu ses parents, qui devait être euh, replacée dans un autre foyer et c'était assez triste comme histoire et je crois que c'est pour ça que je n'avais pas continué, ce n'était pas le moment, je voulais pas un truc triste, voilà c'était pour ça et donc euh, bon, voilà, ce sera peut-être l'occasion de lire ce roman euh, que je vous montre chaque année au printemps, tout va bien. Ensuite si j'ai envie de lire de la fantaisie, eh bien j'ai le choix. Entre plein de livres, parce que j'ai beaucoup de choses et j'ai acheté pas mal de choses surtout dernièrement. Mais euh, mes envies un petit peu du moment et euh, qui restent depuis un petit moment, c'est notamment de découvrir le centre de la cité de Guillaume Shamanajan, de découvrir cette saga qui a l'air très très chouette. C'est un roman qui a l'air euh, passionnant et j'en entends que du bien donc... Euh... Voilà, ça a l'air super chouette, l'univers a l'air hyper intéressant, donc euh, voilà pour le sang de la cité. Et il y a un auteur que j'ai envie de découvrir depuis un moment, je ne l'ai toujours pas fait, et je crois que il est temps pour moi de le découvrir dans ce roman que j'ai acheté cher avec ce beau jaspage, dans La vie des pantins de TJ Klun. Alors, j'achète pas toujours les romans en hardback parce que je trouve ça très lourd et pas pratique, mais là, je me devais d'acheter un roman avec des petits... Euh, feuillage avec un jaspage absolument euh, splendide. Euh, voilà, c'est un roman que j'avais déjà vu en fait en VO. C'est cher hein, quand même. Hein, euh... Donc on va voir ce que ça donne pour le contenu, hein, parce que le, le... Oui, le truc est beau, mais on va voir ce que ça donne pour le contenu, mais ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cet auteur. Donc voilà, ça sera peut-être chose faite. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je ne vais jamais dans mes piles à lire, ou en tout cas très rarement, des thrillers, parce que... J'aime bien et aller euh, au gré de mes envies, aller vraiment à l'instinct, selon ce que j'ai envie, selon un fait divers que j'ai entendu. Enfin, vraiment, les thrillers, je les lis au feeling. Mais j'ai quand même mis un roman que j'ai reçu euh, hier, en fait, euh, qui est en Enquête et Charleston. Alors, ce n'est pas un thriller, hein, c'est une enquête euh, plutôt du policier de Mélanie Pantini, aux Éditions City. C'est eux qui m'ont contactée. Et quand j'ai lu le résumé, quand j'ai vu l'époque et j'avais même pas vu la couverture et puis quand j'ai vu la couverture parce qu'en plus j'avais déjà repéré, j'ai accepté puisque ça me fait vraiment penser à Miss Fisher qui est une petite série que j'aime beaucoup, enfin ça fait longtemps que j'ai pu regarder mais j'aime beaucoup regarder ça. Donc on est dans les années 20 et on va suivre Madeleine qui après avoir voyagé pendant les années à travers le monde se fait la joie de rentrer chez elle en France et elle découvre que sa meilleure amie Léonie a été assassinée. J'espère vraiment que l'ambiance de l'époque sera retransmise dans ce roman c'est un roman qui me donne très très envie dans les envies de mythologie puisque vous le savez c'est l'année dernière j'ai découvert mes premiers romans euh, inspiré de la mythologie, j'ai acheté il y a quelques mois ce roman que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Clytemnestre de Const Constanza Kasaki. Je n'en ai entendu parler nulle part. Personne ne parle de ce livre. Est-ce que des gens l'ont lu Je ne sais pas. Après, ça m'est complètement égal, hein, mais euh, voilà, j'ai très envie de le découvrir. C'est un roman qui va donc parler de Clytemnestre. Clit On nous dit que c'est un conte qui illustre le pouvoir et la prophétie, un roman d'amour et de haine, celui d'une reine inoubliable qui a férocement puni tous ceux qui l'avaient trahi. Publié ici aux éditions JC Lattès et j'en ai pas encore entendu parler. Je suis assez surprise. Le deuxième roman de la honte, c'est le livre que vous voyez chaque année dans ma pile à lire. Donc ce n'est pas Emily moon que je vous ai présenté tout à l'heure, mais bien Chronique de l'érable et du cerisier. Voilà. J'ai l'impression que cette année c'est la bonne. Ce livre, je l'ai acheté quand même pendant le confinement, il me semble. Je crois que j'avais fait une grosse commande dans ma librairie de l'époque dans laquelle j'allais très souvent et euh, j'avais, est-ce qu'il me l'avait livré, ou j'avais été, je ne sais plus comment ça s'était passé, mais c'était vraiment le confinement quoi, donc euh, j'avais acheté je crois 7 livres, je m'en souviens encore, dont euh, le Lucinda Riley, euh, le premier tome là, et euh, j'avais acheté celui-là, donc Chronique de l'érable et du jurisé, et depuis lors il est dans ma pile à lire chaque année. Je pense que cette année va être la bonne, puisque cette année, j'ai découvert euh, Les Secrets des Bonbons-Pamplemousse, qui est un graphique que j'ai adoré, et aussi écrit par Camille Monceau. Et donc, je me dis, bon, allez, meuf, tu vas découvrir ce livre qui en a enchanté beaucoup qu'on a déçu beaucoup également. Ça a l'air vraiment chouette. Maintenant, euh, on va voir. Hein. Alors la pile pour laquelle j'ai le plus de livres, c'est la pile science-fiction, ce qui n'est absolument pas surprenant puisque je suis dans cette phase où je suis à fond dans la science-fiction. Alors ici, j'ai mis des choses de science-fiction en général. J'ai pas mis que des science-fiction. Euh... Euh, dans l'espace puisque j'en ai pas tellement que le premier que j'ai mis dans cette sélection, il s'agit du tome 2 euh, du journal d'un assassin de Martha Wells puisque euh, j'avais beaucoup aimé, ah, je vous en ai pas encore parlé, zut, euh, je crois que la vidéo sortira bientôt hein, dans laquelle je vous parle de ma découverte du premier tome donc du journal d'un assassin, j'ai acheté le 2, visiblement il est très 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 bon, il va parler de, de pas mal de sujets beaucoup plus euh, sensibles que le tome 1. Et euh, en fait, je voulais lire pour euh, mon 7 jours 7 livres. Je n'ai pas fini mon 7 jours 7 livres. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de lire celui-là. Je l'avais acheté pour le lire à ce moment-là, mais c'est pas grave. J'ai toujours envie de le lire, même s'il n'y a plus le 7 jours 7 livres. J'ai très très envie de découvrir. J'ai bien aimé, moi, ce tome 1. Donc là, j'ai hâte de découvrir le deuxième. Ensuite, ça fait un long moment également. Vous l'avez certainement vu dans pas mal depuis la lire, Il s'agit de Mormona, de Joe Walton. En fait euh, j'avais été un petit peu refroidie par pas mal d'avis euh, sur ce roman, j'avais entendu même de très mauvais avis et puis dernièrement c'est Lucie qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé. En fait moi je l'avais acheté à une époque où je trouvais le résumé hyper intriguant, je trouve toujours le résumé hyper intrigant, mais depuis j'avais entendu que des avis négatifs et donc euh, c'est vraiment Lucie qui l'a fait ressortir euh, dans ma pile à lire. On va suivre l'histoire de Morwenna qui est placée par son père dans une école privée alors, elle doit se remettre à un terrible accident qui a tué sa sœur Jubel. Et un jour, elle va recevoir une photo, je pense que c'est une menace. Bref. En fait, euh, j'avais entendu un autre résumé que celui que je suis en train d'essayer de vous faire. <laughs> un résumé qui avait l'air un peu plus alléchant. Euh, je crois qu'il y a une histoire de pouvoir quand même. Ici, on nous parle d'inspiration, de, bon, euh, de folklore gallois, roman touchant qui a été récompensé par les plus grands prix littéraires du genre. Et on nous dit que c'est un journal intime d'une adolescente qui parle aux faits. Ça a l'air très très chouette, mais il y avait un autre aspect du, du roman qui me qui me tentait beaucoup, mais je ne sais plus ce que c'est. Et ça a l'air vraiment vraiment une belle histoire, mais effectivement, je en ai entendu de très mauvais avis. Donc voilà, j'espère que ça ira. Euh, voilà, la talente, grand amour pour cette maison d'édition, donc je n'ai pas pu résister à l'appel du portefeuille qui a sauté, qui a bondi sur Appleseed de Matt Bell. Et vous savez quoi C'est un roman pour lequel je ne sais rien. À part la raison pour laquelle vous n'avez jamais vu de livre comme Appleseed est qu'il n'y a jamais eu de livre comme Appleseed, son postulat, son propos, sa forme, sa langue, seul Matt Bell pourrait nous offrir un tel roman. Je ne sais pas trop où on va avec ce roman, mais j'ai très envie de le découvrir. J'avais reçu des éditions euh, d'Ecrescendo, que j'avais contactées d'ailleurs hein, pour ce roman, « La serre du bout du monde ». Et quoi de mieux que pour le printemps un livre avec des plantes Donc ici, on nous dit qu'un nuage de poussière a transformé la Terre en un lieu hostile forçant les populations à se retrancher sous des dômes. Des années plus tard, il y a une jeune biologiste qui va découvrir euh, une plante extraordinaire aux propriétés énigmatiques. Et euh, on va voir un petit peu le, ce qui va se passer avec cette plante. Ça a l'air absolument génial. Ah bah ça, ça a l'air un petit peu dystopique et, et vraiment super intéressant. Donc voilà pour ce roman, La Serre du Bout du Monde. Et le dernier roman, est-ce que j'ai pas encore oublié quelque chose Non, je crois que c'est tout. Le dernier roman, avant de montrer les graphiques, c'est inévitablement le tome 2 de, de Xenesis, Xinogénétique. Je ne sais même pas comment s'appelle cette saga, J'arrive pas à le prononcer. En tout cas, c'est le tome 2 après l'aube de Octavia Butler. Ici, c'est le tome 2, sachant que le tome 3, Imago, est sorti il y a peu. Donc, voilà. Et alors, pour les graphiques, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis des trucs un peu évidents. Genre, j'avais lu euh, l'histoire de la petite licorne j'avais lu l'histoire de la petite oie en automne et si j'ai envie de lire Le Petit Ours euh, au printemps, même si sur la couverture on dirait plutôt que l'histoire se passe en hiver, mais on passe de l'hiver au printemps et donc euh, ça a l'air très mignon et pourquoi est-ce que je vous présente ce livre alors que j'ai 33 piges et que euh, c'est un livre visiblement pour enfants. Et eh bien parce que c'est euh, l'illustratrice Briony Maysmith Smith qui a illustré ce livre et j'aime énormément ce qu'elle fait, je trouve ça splendide. Et donc c'est pas pour rien que vous voyez de temps en temps et eh bien cette euh, illustratrice venir de temps en temps dans mes vidéos, enfin venir, c'est-à-dire que j'ai lu quelques-uns de ses livres. Voilà, je, même si ce n'est pas pour moi, j'aime bien, je, je profite, je c'est un super moment. J'ai mis le tome 2, alors j'espère que je ne l'ai pas déjà lu parce que parfois j'ai des euh, oublis comme ça, je ne sais plus que j'ai lu des livres. C'est le tome 2 du jardin des fées. Euh, je me dis, allez, pour le printemps, lire un livre qui parle de jardin et de fées, c'est quand même pas mal du tout. J'ai mis un livre que je viens d'acheter et je me suis dit que c'était parfait country diary de aya isino aux éditions akata euh, je crois que c'est un livre en deux tomes qui va parler d'un monsieur qui quitte son poste de professeur pour s'installer à la campagne et je crois qu'il va tomber amoureux de, de quelqu'un d'autre d'un artisan et ça va être mignon et voilà ça va parler de la campagne c'est tranquillou. Voilà tout ce qu'on aime et alors je vais en profiter ce printemps pour lire euh, la suite des carnets de l'apothicaire parce que j'en ai marre de lire des tomes en et de ne pas continuer mes sagas. Mais en même temps, qui dit continuer des sagas dit devoir les emprunter ou les acheter. Donc il faut les trouver quoi quelque part. <laughs> mais bon, voilà, j'en ai marre d'être cette euh, fille qui, qui essaie de découvrir le plus de sagas possible mais ne lit pas la suite et donc j'ai très envie parce que vraiment j'aime beaucoup de découvrir la suite des carnets de la Potica. En plus Ces couvertures sont super belles. <laughs> voilà, écoutez, c'est tout pour cette pile à lire du printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous faites vous aussi des piles à lire pour des saisons. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!